L'OPEP est parvenue à un accord historique pour réduire sa production après des mois de dissensions. Une baisse de la production est indispensable pour réduire la surabondance des stocks de pétrole et faire remonter les prix. À compter du 1er janvier, l'OPEP va donc diminuer sa production de 1,2 million de barils par jour. En limitant la production de ses membres, l'OPEP ouvre en outre la voie à un accord plus large, incluant également des pays extérieurs à l'organisation. This agreement is subject to the 600,000. Cet accord est lié à une réduction de 600 000 barils par jour par les producteurs non membres de l'OPEP. La Fédération de Russie s'est engagée à réduire sa production de 300 000 barils, a déclaré le président de l'OPEP. L'Iran, qui n'a repris ses exportations qu'au début de l'année après la levée des sanctions internationales, est parvenu à être exempté d'une réduction de sa production, comme le sont la Libye et le Nigeria. 11 mois après avoir réintégré l'OPEP après 7 ans d'absence, l'Indonésie en est à nouveau exclue car le pays refuse de se soumettre à l'effort de réduction de la production qui lui était demandé. L'Indonésie était censée réduire sa production d'une certaine quantité, mais comme elle ne l'a pas accepté, cette réduction a été répartie entre les autres pays, a expliqué le président du conseil d'administration de l'OPEP. L'Arabie saoudite avait assuré qu'elle n'accepterait de réduire sa production que si Bagdad et Téhéran, deuxième et troisième producteurs du cartel, faisaient de même. Or, l'Iran est exempté, elle a donc cédé. Les titres pétroliers ont bondi à l'annonce de l'accord.